Pour faire votre bombe de bain loche, vous allez avoir besoin d'une tasse de bicarbonate de soude, une demi-tasse de fécule de maïs, une demi-tasse de sel d'Epsom, un quart de tasse de poudre à pâte, 2 cuillères à thé et demie d'huile essentielle, 2 cuillères à thé d'une huile essentielle diluée. Vous allez aussi avoir besoin de 3 quarts de cuillère à thé d'eau, du colorant alimentaire, un bol, vous allez avoir besoin d'un fouet et également des moules en silicone comme ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours utiliser une cuillère à crème glacée avec du papier parchemin. On va commencer par mélanger les ingrédients secs. Après, on va ajouter les ingrédients humides. Donc, on va commencer avec les huiles essentielles. Moi, j'ai choisi eucalyptus et romarin. Il faut mettre 2 cuillères à thé et demi. Après ça, on met 2 cuillères à thé d'huile essentielle diluée. La meilleure, d'après moi, c'est vraiment la Beautifying de Aveda. Elle sent tellement bon. C'est un mélange de bergamote, de lavande et de romarin. Okay. Ensuite, on va ajouter une cuillère, 3/4 de cuillère à thé d'eau ou une cuillère à thé d'eau. Moi, je vais aller pour une cuillère à thé. Et là, il faut mélanger à peu près pour 5 à 10 minutes. Une fois que vous avez bien mélangé, on va maintenant les séparer le mélange sec dans 3 bols différents parce que moi, je vais faire 3 couleurs. Si vous voulez en faire 4, vous me séparez dans 4, 5 dans 5. Puis on va aller mettre les gouttes de couleur alimentaire. Aujourd'hui, moi, je choisis d'en faire un vert, un rose et un bleu. Pour celui-là, on va aller ajouter environ 2 à 3 gouttes. On va le remettre à l'intérieur du gros bol, ça va aller mieux pour le mélanger. Une fois que c'est terminé, on va mettre nos couleurs dans notre moule. On va utiliser une petite cuillère pour aller le mettre à l'intérieur, puis on va aller presser vraiment fort pour pacter. Ensuite, on va le laisser sécher pendant 3 jours. L'autre méthode que vous pouvez faire, c'est de prendre la cuillère de crème glacée. Vous allez prendre votre mélange, puis vous allez vraiment le pacter solidement. Comme ça. Puis on va aller